Et hop, épisode 15 de AI Hit, euh, Cette semaine, à nouveau, avec un photographe euh, qui va être utilisé pour qu'on comprenne un peu mieux le, la capacité de l'intelligence artificielle euh, à la photographie. Euh, en s'intéressant donc à ses profils du passé ou du présent, photographes connus euh, qui ont marqué euh, son histoire. Et je vais à nouveau me baser sur OpenAI, Dali et Midjourney pour les illustrations et ChatGPT pour les données historiques. Euh, donc voilà, on va, on va tout de suite demander à l'intelligence artificielle, est-ce que tu peux nous en dire plus sur euh, la bio de ce photographe Il est un photographe, réalisateur et peintre américain, français. Il est né à New York en 1928 et a étudié à la City College of New York avant de se rendre à Paris en 1948 pour étudier l'art. Il a commencé sa carrière en tant que photographe dans les années 50 et est connu pour son style audacieux et spontané ainsi que pour son utilisation de perspectives inhabituelles et d'objectifs grand angle. Il a également réalisé plusieurs films dont le documentaire qui a tué Pauline en 1966. Son travail a été exposé dans des galeries et des musées à travers le monde et il a reçu de nombreux prix et distinctions tout au long de sa carrière. Ok, donc comme chaque semaine, pour ses premières images, pour la bio, je demande à Dali d'illustrer dans le style de ce photographe. Euh, ok, les, les, les données qui reviennent de ChatGPT sont pas particulièrement euh, complexes euh, sur, sur le coup. Mais, euh, mais le photographe mystère, c'est donc euh, William Klein. Et je trouve quand même qu'on a un petit peu, on retrouve un peu le, les perspectives de ce photographe euh, dans ces exemples. Alors le noir et blanc euh, qui correspond bien. à à son utilisation du médium et à la période, mais on va peut-être demander à l'intelligence artificielle d'en savoir un peu plus sur son style. Le style de William Klein est différent des autres photographes car il utilise souvent des techniques non conventionnelles comme des prises de vue à des angles inhabituels, des images floues intentionnellement et l'utilisation de flash pour créer des images frappantes et dynamiques. Ok, ben là les deux premières images. Pourquoi pas Surtout l'image de droite je, je, avec cette perspective en contre-plongée, ces trois enfants, euh, on a vraiment plus l'impression que le photographe a disparu. Là, il s'intéresse pas du tout à, à sa position. Euh, on a aussi l'impression vraiment de, de clichés candides, euh, comme pour la photo à, à gauche là, de cette femme. Ou alors là, il y a du, il y a, on a l'impression d'une utilisation de flash. On voit le mouvement du, du public, beaucoup de dynamique dans ces photos. Ça pourrait rentrer dans le cadre de photos que. Peut-être un peu moins celle de gauche, mais de, de William Klein. Alors, à nouveau, bah, allez voir les, les originaux et allez vous renseigner plus précisément avec des bonnes sources. Mais écoutons-en un peu plus pour le, pour le style. Il était connu pour son style rugueux, brut et non poli, qui s'est démarqué des conventions photographiques traditionnelles. Il était un pionnier de l'école new-yorkaise de la photographie qui mettait l'accent sur la capture de l'ambiance et de l'atmosphère de la ville plutôt que sur la composition traditionnelle et la perfection technique. Alors là, ces deux images... Ah, J'aime bien, là. je trouve qu'il y a quelque chose. Euh, à gauche, avec cette contre-plongée à nouveau, cette utilisation d'une source lumineuse qui pourrait être un flash à droite, l'aspect vraiment d'invisibilité du photographe, euh, cette, cette mise, en, pas mise en scène, cette euh, composition, euh, ou celle de droite avec cette femme blonde à droite euh, qui relève euh, un peu le cliché par rapport à cette foule aussi euh, de rues, de villes, euh, cette capture. Euh, alors là, j'ai vraiment l'impression qu'il y, qu y a quelque chose. Mais après, bon, euh, voilà, euh, c'est très subjectif aussi. Euh, Écoutons-en un peu plus. Il était également célèbre pour son utilisation d'un grand angle, qui lui permettait de capturer des scènes entières, de créer un sens de profondeur et de mouvement dans ses images. Alors, comme je le disais avant, j'ai l'impression. Que Chat GPT a un petit peu de limite dans, sa, dans ses capacités de description du style de William Klein ou de sa bio. Euh, par contre, Dali a l'air plus pertinent sur la manière de, de reproduire. Alors, évidemment, c'est moi qui crée les, les requêtes, mais à chaque fois, c'est toujours, je demande, dans le style de, de ce photographe, donc de William Klein. Et, et là, je trouve que l'image de gauche, cette capture comme ça, dans, dans le mouvement, dans le moment, ou cette composition à droite de ville. Euh, avec cette, euh, cette femme à gauche, comme ça, décalée, la foule à la, en arrière-plan. Et même le, la, f... ouais, la forme. Le... Enfin, en tout cas, là, sur le coup, je suis assez, je suis assez convaincu euh, qu'il y a quelque chose. Euh, mais bon, vu qu'on a un, un William virtuel à disposition, on va peut-être demander une, une scène sur mesure, une photo sur mesure. Donc, euh, j'aimerais une photo d'une rue, d'une petite ville du Midwest de Grande-Bretagne avec un enfant tenant un dinosaure jouet. Regardant la caméra, sa mère tenant sa main, avec une foire et une fanfare derrière eux, dans le style du photographe William Klein. Est-ce que ça va être même proche de ce qu'on pourrait imaginer. Alors, ouais, alors là, je suis tout d'un coup un peu moins convaincu, sauf que les. Alors, Ma requête est peut-être aussi un peu bizarre, mais. Le... Alors, il y a le jouet dinosaure, la main, on peut peut-être imaginer que l'enfant le... de droite tient la main de sa mère. Pour ce qui est de la, de la fanfare. Et, enfin, il manque beaucoup de choses. Euh, et ensuite, les cadres, Alors là, pour le coup, je trouve vraiment moins intéressant. Je n'ai pas l'impression de retrouver vraiment le style. Alors il y a du noir et blanc. Euh, dans ces deux autres exemples, pareil, je trouve que c'est assez, assez banal, assez plat. Alors il y a une interaction. On a l'impression de ce côté candide qui ressort on a l'impression que le photographe est, est un peu transparent. On retrouve certains éléments qui qui évoque ce que j'ai demandé, mais pas beaucoup plus en fait. Alors là sur le coup, je suis assez déçu. Euh... Alors je sais pas pour vous, mais alors là on a aussi demandé à mid journée, donc euh... voilà deux clichés qui, qui sont, alors là, qui sont comme la semaine passée aussi mid journée beaucoup plus de détails là sur le coup, euh... beaucoup plus cinématographique dans, dans le style. Euh, mais à nouveau, on a ce vernis de mid-journée. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de style mid-journée qui se met par-dessus. Euh, les sujets qui regardent toujours un petit peu à des, dans des directions différentes. On n'a pas l'impression qu'ils sont les sujets du même environnement. Alors, ça donne des fois très bien. Euh, là, l'enfant le, qui tient le dinosaure à gauche, c'est pas mal du tout. Le... Mais il manque pas mal de choses. On a un petit, un petit sentiment de foire là, de fête foraine sur ces, sur ces deux images. Alors, il y a ce, jouet, ce grand jouet dinosaure au milieu de la rue, qui est marrant. Euh, on, voit qu on a l'impression que, que certains personnages se tiennent, en tout cas quelque chose par la main, se tiennent par la main. Mais alors, le, le lien entre l'enfant et tenir par la main... Alors, après, c'est à nouveau peut-être la formulation. Mais, mais bon... Euh, J'espère que ça va vous motiver à aller vérifier son... enfin, le travail de William Klein, d'aller voir des... dans les livres, sur Internet, voir les expositions, d'en savoir un peu plus sur lui, voir un petit peu si c'est aussi ses exemples pour vous correspondent un petit peu. Vous pensez que l'intelligence artificielle euh, commence à comprendre son style. Euh, J'espère que ça vous a diverti. Et... et puis voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Yeah.